Et bonne nouvelle, je le disais dans les titres, le litre du supercarburant passe de 710 à 702 francs CFA et celui du gasoil est vendu à 633 francs au lieu de 643 francs CFA. C'est du moins ce qui ressort de la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Plus de détails avec Boubacar Bablé Touré. Après une baisse observée au mois de décembre dernier sur le prix de l'essence super et du gasoil à la pompe, les consommateurs peuvent encore se réjouir de cette nouvelle baisse. Désormais, le supercarburant sera vendu à 708 francs CFA contre 710. Quant au gasoil, il sera cédé à la pompe à 633 francs CFA contre 643, soit une baisse de 10 francs CFA. C'est ce qui ressort de la première réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers au titre de l'année 2019. Les réunions mensuelles au cours desquelles on débat des prix à afficher à la pompe pour les produits pétroliers. Donc c'est ainsi qu'à la faveur des baisses de prix qu'on a enregistrées au niveau des prix fournisseurs, on a répercuté ces baisses à la pompe. Ces baisses sur le plan international sont dues, entre autres, à l'offre abondante de pétrole sur le plan international et en même temps à la baisse de la demande du pétrole. Un effort des plus hautes autorités du pays salué ici par le représentant de l'Association des consommateurs du Mali, Ascoma, qui plaide toujours pour la baisse de prix pour le plus grand bonheur des consommateurs. Nous saluons toutes les baisses. Cependant, nous restons insatisfaits dans la mesure où les droits sont toujours assez élevés. Les droits représentent pour le supercarburant près de 46% et pour le gasoil, c'est 32%. Donc en essayant de jouer un peu sur le droit, on peut encore diminuer davantage le profit des consommateurs. Ces prix rentreront en vigueur aujourd'hui à minuit.